même que nous commençons, nous avons sympathie nous. Tout d'abord, bah, les policiers qui tombent dans des circonstances particulières. Nous voulons sympathie nous tous, bah, toute catégorie de monde qui, dans ce moment, ça fait un pile déficit, perdu bien yo, côté pillage fait sous un pile magasin, que ce soit dans Pétionville, que ce soit dans l'autre zone, dans l'aire métropolitaine. Nous connaissons que démocratie, c'est un exercice extrêmement complexe, mais il faut qu'on soit démocrate pour dans la démocratie. Li aussi vrai tout pour nous faire remarquer que des dégâts qui occasionnent, surtout au plan économique, au plan social, c'est des bagages qui vont gagner des circonstances et des conséquences énormes sur ça que nous avons carrélé l'économie pays. Un fait est certain, c'est que je dis, étant qu'on a annoncé li, sous mandat que conférence des présidents et ben moins dans clôture première session parlementaire là nous t'ai déjà anticipé que un ajustement ou bien une augmentation du prix de l'essence sur le marché national en dépit du fait que gagner augmentation importante du prix de l'essence sur le marché international, nous te connaissons que le patabralé sans conséquence. Nous te même parlé même de, toujours par anticipation, parler de fureur populaire. Et tout compte fait, la mesure a été adoptée et conséquences, eh bien, yo incalculable. Je n'ai rien dit, la mesure est rétractée. Il est du devoir de tout le monde qui au même t'a plaigné pour mesure ça et qui n'est pas d'accord avec mesure ça, et bien pour continuer à garder calme, yo, sérénité yo, et faire en sorte que la vie sociale, la vie politique, la vie économique capable de reprendre dans le pays. Un fait est certain, depuis hier, dans discussion et échange que nous avons gagné avec le président de la République, là, nous croyons que l'idée fondamentale pour que les trois pouvoirs, les représentants des trois pouvoirs, nous réunis et nous avons joué un accord président sur ça. Et comme de fait, je vous dis, nous avons gagné dans les heures qui suivent une rencontre de haut niveau avec, bien sûr, le président de la Chambre des députés, le président de la République et le président ou le représentant du pouvoir judiciaire. Les sénateurs sont unanimes à admettre et reconnaître, et ceci depuis déjà quelques temps, moi dis bien depuis mai, que l'augmentation ça a pris essence temps pour créer problème. Et c'est même mandat ça que m'te gagné de l'ensemble des sénateurs pour demander au président de la République de rétracter mesure. Et comme de fait, président Fell, jodi a l'impératif pour que avec le président de la République là, avec le président de la Chambre des députés, nous envisager l'autre séquence pour nous capables, un, atténuer question dans la rue, deux, remettez population en confiance et toi, fais en sorte que la vie capable continuer normalement, la vie capable de reprendre en un pays. C'est surtout moi ça. Je n'ai pas dire que moi-même en tant que président du Sénat, que je suis capable de dire, et comme il y a l'autre collègue qui est présent ensemble avec nous là, et nous veut parler du président de... du sénateur, ex-président et la tortue. Nous voulons parler de sénateur Willow Joseph qui est ensemble avec nous là. Nous voulons parler de sénateur Fétière qui est ensemble avec nous. Nous voulons parler de sénateur Sildor, et pas Sildor, de sénateur Foucault qui est ensemble avec nous là. Et bien très certainement, il est capable de gagner
des ajouts ou bien des mots que vous avez pu placer tout, eu égard à compréhension tout de situation qu'a développé là. Président Lambert aborde le problème là, il explique dans le sens prix gaz là que côté que déjà nous t'ai dit, nous t'ai adopté position ça que y a pas qu'à augmenter gaz là parce que justement son produit transversal qui va agir sur tout le monde et déjà situation population pas bon. Et ça seulement moi crois que le président aborde des questions de façon globale et ça seulement n'a ajouté n'a dit président pour rendre compte que il va le faire c'est que je dis pour qui ça nous t'ai dit que pas augmenter prix gaz là parce que nous connaissons que les dérivés de problèmes structurels et ils sont gouttes d'eau qui t'a fait déborder vase là et comme de fait nous ouais à partir de l'augmentation population va la rue et je dis à n'a simplement attiré attention que tout ça qui mène là il y a des problèmes structurels qui va résoudre et faut nous pas dire que n'a changé monde ça ne pas adresser ces problèmes là problème mauvaise gouvernance problème force de sécurité yo, problème corruption nous connaît Jean le Sénat qui travaille sur enquête et que faut que bagaille ça abouti donc il y a des problèmes structurels moi t'a remet que opposé pour que nous résoudre et nous pas arriver dans situation ça parce que si n'a parlé de monde eh bien changeons monde mettons monde il cas en solution s'il accompagné de problème structurel lieu pour nous poser et me penser que pendant longtemps nous fait dilatoire sur yo donc c'est ça seulement m'a ajouté et me penser que trois pouvoirs réunis justement il y a regardé question sur le plan conjoncturel et sur le plan structurel pour que des solutions durables portées ça que le dit sous gaz là mais gagne un point on peut faire prendre très au sérieux c'est la sécurité sans me parler venir tirer droit peuple à droit que le gagne pour les manifester et mes contactement mais tout gagne droit l'autre tout pour jeune sécurité il n'est pas possible que dans le 21e siècle que une manifestation a faite en n'importe quoi et puis tout et bien ça aux victimes ça va avoir des gros conséquences. Dollar va monter, nous allons vivre plus pauvres. Donc, il faut que nous réfléchissions à la sécurité pays. Parce que, pas de stabilité, pas de stabilité politique sans sécurité. Donc, il faut que nous venions repenser la sécurité pour que nous ayons ça que nous allons faire. Merci. Victime, lui-même, parce que les brûlés propres à faire, toute destruction faite là, ces populations encore pas le payer. Mais moi, je m'a seulement dit, problème non résumé en seul bagage. Nous avons un problème de communication dans le pays. Parce que nous croyons que l'été de l'élection, tout le monde demande la population. On a voté pour moi, on va le changer pour l'autre des choses. C'est comme ça que tout le monde te dit, il était temps tout pour te parler à la population, pour que la population t'a voté pour eux. Elle dit, je dis, si il y a des décisions qui prennent, d'ailleurs, monter gaz là, c'est une décision anti-peuple, non? Ces formules qu'ils ont utilisées pour faire là, c'est facile de faire là. Il n'y a pas informé la population assez. Il n'y a pas sensibilisé la population assez. La population n'a pas compris. Parce que Haïti n'a pas fait gaz. Gaz a monté sur le marché international là. Tout normal. Ici, nous n'avons pas produit rien pour nous l'autre l'argent. Ça a toujours arrivé, gaz a monté. Mais il faut que vous dites population, mais ça a comme problème, mais une décision pour le prendre, accompagner et de nous comprendre. Ça va fait. Haïti, il n'y a pas la personne, même le Parlement n'a pas informé de ça. Moi, je suis informé que le gaz va le monter. Elle dit qu'il y a un problème. Elle dit problème de communication, il faut le résoudre d'abord. Et puis tout le ratio a venu. Parce que c'est la parole qui construit l'univers. Je pense que depuis, il y a communication, tout problème qu'à résoudre. Et donc, moi-même, c'est la mienne. Et m'a dit, dégâts qui fait encore, nous déplorons, nous regrettons ça arrivé. Mais croyez-moi, sénateur Fétière, c'est qu'il y a plus de dégâts toujours. Et ce n'est pas seulement Haïti. Depuis le peuple fâché, nous comptons tout ça au café. Que donc moi pense que nous connaissons nos peuples fragiles, nous connaissons nos peuples qui vivent dans une situation difficile, et bien faut que l'État central, ensemble toute autorité pays,
pour nous arranger, nous, pour nous bailler solution à problème société, parce que gain problème. Qui donc communication, hein, c'est clé. Communication. Mais tout, il y a des éléments qui sont joués en pile sur Monte Gaza, que même dit que je ne suis pas d'accord sur eux. A fait deux monde qui cap bano et yo qui te vle automatiquement pour fok Gaza te monte au seul quoi am te compte. Et l'autre principe vraiment qui vraiment de déplorer dans intervention de fait déjà, c'est Saint-Domingue que Gaza monte, que tout camion a vin plein gaz en Haïti pour y aller Saint-Domingue. Ça fond pas nier le dos. Et même déplorer en pile ça qui passe là yo, et même penser que nous prenons un problème grave dans le futur, parce que si nous n'avons pas une stabilité réelle ou stabilité que tout le monde a à l'aise là-dedans et que nous-mêmes nous mettons prière aux gens que l'un monte, l'autre monte, l'autre descend, l'autre descend et que tout le monde a joué, on souffle là-dedans, ni dans le propane, ni dans le gaz, ni dans le diesel, ni dans le gaz et 95 ans, il faut que vous souffle qui râle dans le SAO parce que ici nous n'avons pas fait gaz, mais nous avons peut-être une raffinerie par nous qui a peut-être venir descendre prix gaz. Merci. Décision et monter gaz là et qui créait tout bouleversement ça, c'est goutte de l'eau qui fait vase là renverser. Donc c'est une expression de ras-le-bol et population et par rapport à question misère, par rapport à situation économique là, mais surtout par rapport à injustice sociale qui caractérise la société. Et je pense que le président de la République là, il retourne sous décision, ça fait qu'on a calmé, ça fait que la vie commence à reprendre, mais cependant, ce n'est que un calme et apparent. Et qu'il a, nous toujours une situation explosive. Et une situation, si nous ne prenons pas les mesures structurelles, qui a retourné vite nous. Parce que population et il comme l'impression que pendant il dans la misère, maintenant il a l'état qui vraiment cap fonctionner et dans l'abondance. Moi-même moi crois que faut que les pouvoirs de l'état, particulièrement le pouvoir exécutif, le parlement, yo réunis pour garder et les mesures économiques, la réduction du train de vie de l'état et fait population ouais que nous solidaires avec et problème ni yo. Et à partir de ce moment, et moins quoi que, et Marie Saint-U et qui méritait, parce que le pays a une situation économique très difficile, étranger a pas poté collé, et taxe pas ramassé comme vous voulez. Donc, gagnons une situation de Marie Saint-U, même quoi population voulait ouais, que Marie Saint-U a, c'est tout le monde qui l'a donné. Et président font appel côté, et il dit que pour tout le monde, tu as venu poté collé, mettez tête ensemble pour. Et des pays, et m'kwe là, faut que nous gagnions un gouvernement et d'ouverture, un gouvernement et d'union nationale, côté tout le monde capable de venir aider pays poté pour ça, parce que vraiment, nous avons une situation extrêmement difficile, situation sociale, économique et politique extrêmement difficile, et m'kwe, le seul président de la République là capable de poté pour que nous gagnions là pour continuer. Li pour moi-même impérieux de rappeler à tout un chacun, à tous les secteurs économiques, sociaux ou politiques de la vie nationale, que le Parlement haïtien doit continuer et à assurer pleinement rôle en tant qu'institution légitime de l'État. L'État est debout à travers ses institutions et plus particulièrement le Parlement haïtien, qui a joué un rôle de vigie et qui a monté la garde à tout ça que m'a décarrélé, dérive antidémocratique, totalitaire ou autocratique, si m'a dit comme ça, qui est capable que quel que soit secteur ou quel que soit groupe pensé, que vous êtes capable d'anticiper. J'en appelle encore une fois aux différents groupes politiques, aux différents secteurs de la vie nationale, pour que vous ayez les yeux rivés sur le Parlement haïtien, vous ayez les yeux rivés sur l'exécutif en place à travers le président de la République et de concert avec
l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire pour que tout soit mis en branle, pour que satisfaction puisse être accordée aux populations haïtiennes et que la vie capable de reprendre de façon normale et régulière dans le pays. Cet après-midi, Jean que ensemble sénateur t'a demandé président ça pour que les trois secteurs t'aient réunis et depuis hier cette démarche a été entreprise auprès du président de la République qui acceptait après-midi pour nous rencontrer les représentants des trois pouvoirs et débattre de tout sujet qui est important en dans pays et plus particulièrement journée aujourd'hui où population a réclamé à droite tant qu'à gauche pour y bali satisfaction dans revendication et où journée aujourd'hui à tout le parlement a toujours campé debout pour jouer rôle constitutionnel que ensemble population haïtienne à travers des élections libres, honnêtes et démocratiques by représentants nan yo en tant institution ça qui est le parlement plus particulièrement Sénat République là nan moment où population doit compter sur nous et bien nous mêmes n'a fait preuve nous pour que nous mettez population en confiance et prend toutes les dispositions qui s'imposent pour que la vie capable reprendre normalement nous non logique omelette lorsque on a une conjoncture politique spéciale. Lorsque on a une conjoncture politique spéciale, tant que j'en ai vivre là, sous une omelette, quoi faire, quelles que soient les conditions, on va obligé casser les yeux. Merci beaucoup.